Je pense qu'avec un peu plus de réalisme à la finition, on aurait remporté tous nos matchs. Et je pense que toutes les équipes ne peuvent pas dire ça. Je ne crois pas être ni prétentieux ni faux quand je dis que contre Anderlecht, on a les occasions pour l'emporter et on se fait punir. Au Standard, on gagne 1-0 et on a l'occasion de faire 2-0 deux fois avec Nurio et avec Mama. Et puis malheureusement, on ne le fait pas et on prend un coup franc à la fin du match. Bon, contre Saint-Ouen, c'était quand même plus difficile, mais quand on se remémore le match contre Saint-Ouen, je pense qu'on pouvait faire mieux aussi. Donc voilà, donc, on sait qu'à la finition, on doit progresser et on sait aussi que défensivement, on doit prendre moins de buts. Et voilà, je pense qu'on le sait tous. Donc voilà, avec des corrections, avec, en montrant les choses, en travaillant, ben, on essaie de devenir une meilleure équipe chaque jour, de rendre les individus meilleurs et par la même occasion l'équipe meilleure. D'abord, on doit être très attentif et on doit dire aux joueurs qu'ils doivent être très attentifs parce que qui dit changement coach, dit nouvelle dynamique, dit voilà. Et voilà. Le Cercle de Bruges est une bonne équipe, malgré ce que le classement, et là on revient sur la comptabilité, le bilan comptable dit, parce que je crois que peut-être à part un seul match, pratiquement tous les matchs qu'ils ont joués, ils auraient pu les gagner. Mais ils ont, voilà. Donc, parce qu'il y a de la qualité individuelle, je pense qu'on aura une belle opposition, une équipe en face qui aura à cœur de retourner sa situation à elle. Et nous, on sera tout aussi motivés parce qu'on veut aussi pouvoir aller chercher, je pense, ce qu'on mérite ou ce qu'on a pu laisser passer dans les matchs précédents. Et voilà, donc il faudra certainement qu'on soit à 100% pour pouvoir ramener quelque chose de là-bas. Et notre tâche est de l'être.